La question qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, les enfants, on imagine une personne qui arrive en retard à la synagogue le vendredi soir, donc comme aujourd'hui. Il arrive, il trouve que le Kahal, il a déjà reçu Shabbat. Par exemple, ils sont déjà arrivés à Boichala Shabbat Melketa. D'accord? Ça, c'est un des endroits où on reçoit sur nous Shabbat. Non, ce Kahal, c'est un Kahal qui prie tôt. L'Ashkenaz n'est toujours pas arrivé. Lui, il n'a même pas encore fait Mincha. Il veut faire Mincha. Est-ce qu'il peut faire mincha, oui ou non, dans la synagogue? Oui. Pourquoi? Magnifique. C'est ça qu'il dit le Shulchan Aruch dans ses mêmes profs Samer Gimel. Et il dit, étant donné, il ramène ça au nom du Tlumat HaDeshen, étant donné que le Kahal, il a déjà reçu Shabbat dans cette synagogue, c'est terminé. Lui, il ne peut pas prier ici, parce que sinon, c'est comme si qu'il était Mehalel le Marom. C'est comme si tu profanais l'endroit. L'endroit, maintenant, il est devenu Kadosh Kedushat Shabbat. Lui, il ne peut pas venir et prier une tfila de Hol. Deuxième question, Yitzhak. Si jamais, maintenant, le Kahal, il a fini un rite, et c'est toujours pas arrivé l'heure. Là, ça arrive souvent en été. Il y a un minhag qui prie au plag, il y a un minhag qui prie à la shkira. Le minhag qui prie à la shkira, ils vont recommencer la nasah à la gittit, alors que le Kahal d'avant, il a fini carrément un rite de Shabbat. Est-ce qu'on laisse le Kahal prier dans cette synagogue ou bien on lui dit non, va dans la petite? Hein, Yitzhak? Va dans la petite, ah non, là tu t'as pas eu juste. Bon, c'est pas grave, une juste, une fausse, c'est très bien quand même. Là, ici, la halakha, elle est que ce sera moutard. Et quelle est la différence, Yair? Et alors, l'endroit, il est kadosh ou pas? C'est pas une question de savoir. C'est une question qu'un kahal, il n'est pas mitbatel à un autre kahal. Yahid, il est mitbatel. Quelqu'un qui est tout seul. Il est nigral avec le tzibo. Mais lorsque c'est tout un kahal, à ce moment-là, le kahal, il n'est pas mitbatel. Maintenant, la troisième question. Imaginons cette personne qui est seule, il arrive dans la choule, ils ont déjà reçu Shabbat, on a dit, comme il a dit, Ishaq, la réponse où il est juste, il doit sortir, il doit aller dans le couloir, dans les escaliers, mais pas dans la synagogue. Maintenant, si lui, quand il est arrivé, il a vu qu'ils sont arrivés à Boichala Shabbat Malketa, il a attendu un petit peu pour pouvoir répondre Barakhou. Il veut gagner Barakhou. S'il va faire dehors, il va rater Barakhou. Donc il a répondu Balachou. Est-ce que maintenant en sortant il peut faire Mincha de Hol, oui ou non? Oui? Même dehors. Même dehors. Hazak très très juste. Étant donné qu'il a dit Balachou, donc il a reçu sur lui Shabbat, il peut plus venir et faire une tfila de Hol, parce que à Tachonen, on ne fait que le Hol. Là, c'est déjà Shabbat. Maintenant, c'est quoi la solution que tu lui donnes? Il a répondu Barakhou. Qu'est-ce qu'il fait pour son mincha? Très très bien. La solution, c'est qu'il fera deux arvit. C'est comme quelqu'un que toute la semaine, il a oublié de faire un mincha. La solution, c'est qu'il fasse deux arvit. Maintenant, la question que je vous pose, et c'est là où ça devient très très intéressant, si jamais la personne, elle te dit, voilà, il sent que le Hazan, il fait Kaddish, il va bientôt arriver au Barakhou, il dit, je sais, si je réponds Barakhou, je vais rater mincha. Et j'ai pas envie de faire Teshlomin 2 Arvid, je veux faire Mincha comme il faut moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un Tnaï. Il dit voilà, je vais répondre Balachou, mais Anilo, tu sais, les Rabbels en laï Shabbat. C'est exactement comme le Balachou qu'on fait un mercredi soir, où on répond en tant que Balachou, on ne répond pas en tant que de réception du Shabbat. La même chose ici. Moril ou le Moril, est-ce que ça marche ce Tnaï? On lui dit non, il faut absolument sortir. Oren, il faut absolument sortir? Ça marche pas le Tnaï? Hein? Tu n'as pas entendu la fin? Ah, donc ça ne marche pas le Tnaï. D'accord, ok. Alors regarde, le Eli Araba et le Rabbi Akiva Eger, ils disent ça marche le Tnaï. Il peut faire ce Tnaï et répondre. Et ils mettent ça même dans Da'at HaShulchan Aruch. Comment? Si tu vois le Shulchan Aruch quand il parle de la halakha, de quand quelqu'un répond Barakhou, il reçoit Shabbat, il dit Im aval imana Barakhou wirkibel Shabbat alaou. Ça veut dire quoi wirkibel Shabbat alaou? Ça veut dire il a été Mechawen de recevoir Shabbat. Sinon, il faut dire Imana Balachou tout court. C'est automatique. Et la Mokhra, que tu peux faire le Tnaï. S'il n'a pas fait le Tnaï, à ce moment-là, il a reçu Shabbat. Et donc, il ne peut pas. Donc, de là, le Liarabar et Rabbi Akiva Eger, ils comprennent que le Tnaï peut fonctionner. Par contre, le Benetzion et le Gedoulot Elisha, eux, ils disent non. Pas du tout. Le Tnaï ne fonctionne pas, comme tu as dit, Oren. Et il ramène une svara. Ils disent ici, c'est différent. Tout ce qu'on dit que la femme, elle peut allumer et ne pas recevoir Shabbat, parce que c'est Kabbalat Shabbat des Yahid. Mais là, c'est Kabbalat des Tzibour. Comme ça, un Kabbalat Shabbat en même temps, tu peux pas
faire des tnaïm. Les tnaïm ne fonctionnent pas. Demain, il ramène une raya de Bag. Bag, lui, il tient que dès que quelqu'un il allume les nerots de Shabbat, c'est terminé, il reçoit sur lui Shabbat. Et si quelqu'un il veut être matné, Bag, il dit, il ne marche pas le tnaï. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il ne tient pas Bag. Lui, il tient que Kabbalah Shabbat, c'est quelque chose, allumage des bougies, c'est autre chose. Donc, il n'est pas d'accord avec le Bag de Chod Gedolot, mais il n'est pas d'accord sur le lien. Mais il est quand même d'accord que lorsqu'on reçoit Shabbat, le tnaï, il ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour cela que si jamais quelqu'un il vient, il pose la question, on lui dit non, ne réponds pas, ne fais pas de tnaï, sors et c'est tout. Alors, si quelqu'un s'est trompé, il a fait le tnaï et il a quand même répondu et il a commencé sa mida de hol, là, tu ne l'arrêtes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique. C'est quoi la logique? À l'époque, tout le monde savait que quand tu fais balachot, tu reçois sur toi Shabbat. Aujourd'hui, pas beaucoup de gens le savent. Donc, c'est pour cela que s'il a déjà commencé, tu ne l'arrêtes pas, tu lui laisses continuer à ta chonen. Mais si jamais il n'a pas commencé, il sait, les chatra, il a été posé la question, qu'est-ce que je fais? Tu lui dis, vaut mieux ne pas rentrer dans les mahlokot et carrément sortir de la synagogue et tu réponds pas balachot, tu fais pas de vin, tu fais rien du tout.